pas facile d'être une fille. Au Québec, mois d'octobre, commence à faire froid. Et du coup, t'es obligé de t'acheter des vêtements chauds. Et ça fout la déprime. Je me suis donc fait une séance de magasinage intensif et ça m'a encore foutu plus la déprime. Je vous raconte une anecdote. Je suis allée en autobus. Ça, c'est pas facile, l'autobus. Faut la déprimer encore plus. En autobus, je suis allée magasiner. Je me suis acheté des vêtements. Plein de vêtements. Manteau d'hiver. Des bottes qui vont avec. Des pulls. Des pantalons qui vont avec. Des t-shirts, les bobettes qui vont avec, des soutiens-gorge, les tatons qui vont avec, du cutex, incroyable, le rouge à lèvres qui allait avec, du parfum, parce que j'avais les odeurs qui allaient avec, et puis me voilà parti, ce monde merveilleux qui est le centre d'achat. Pas dire que c'est vraiment ma tasse de thé, mais bon. Quand t'es une fille, pas vraiment le choix de passer par là. Ce que j'ai trouvé le plus pénible, à part payer, je veux dire, pas donné, là. C'était de prendre l'autobus pour me rendre jusque-là. Sur l'heure de pointe, j'y avais pas pensé. Je me suis tapé genre de schizophrène. Assis à côté de moi. Il sentait pas bon et puis il agressait la pauvre chauffeuse d'autobus qui faisait que son métier. Il trouvait ça pénible parce qu'il parlait fort puis qu'il postillonnait. Puis qu'il me trouvait de son goût. Vraiment pas facile d'être une fille. Au Québec. Au mois d'octobre quand il commence à faire froid. Je suis sortie du centre d'achat avec plein de paquets, comme si c'était Noël, avec une petite déprime encore plus intense que celle que j'avais avant d'y rentrer. Je possède maintenant plein d'objets que je vais pouvoir porter, qui vont peut-être m'embellir, mais qui n'auront rien fait pour me réconforter, parce que franchement, magasiner au Québec quand il commence à faire froid. C'est quand même pas la panacée. Hein.